Eh oui, notre collègue Harold Gagné qui a annoncé sa retraite et c'est sa dernière journée à TVA aujourd'hui. On va lui parler dans un moment, après ce bref résumé de son travail exceptionnel des 37 dernières années. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Perspective. Bonjour, Mesdames, Messieurs, ici Harold Gagné, bienvenue à l'émission Vos élus. Ici Harold Gagné, bienvenue à Contraste. Élisa T. a été maltraitée pendant 16 ans par ses parents et a décidé d'écrire un livre pour mieux se délivrer de ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de Didier? Il pesait 5 livres, il devait peser environ 9 livres. Je vais peut-être vous poser une question bien bizarre parce que je connais rien là-dedans, mais quand je vois le jeune qui force, qui travaille, parce que c'est un entraînement olympique, ça. Là, t'as été greffé il y a 3 semaines. Est-ce que tu peux me parler quand on t'a annoncé que tu allais avoir un foie? Comment tu as réagi? J'avais vraiment peur. Puis quand on m'a annoncé que j'avais un foie, j'ai jamais été autant heureuse de ma vie. Valérie Roy, elle, est infirmière auxiliaire au CHU Sainte-Justine. Depuis une semaine, elle vient à la rescousse des personnes âgées de l'Institut de gériatrie de Montréal. Les infirmières sont épuisées, mais ils font un travail remarquable. Ce couple a adopté 3 enfants lourdement handicapés, dont 7 filles de 10 ans. Elle est née parfaite. Un grave événement s'est produit alors qu'elle avait seulement 4 mois. Un de ses parents biologiques l'a secouée, lui causant d'importantes séquelles, et dire qu'elle aurait pu être un enfant comme les autres. Mes parents se sont séparés quand j'étais tout petite. Ta maman, est-ce que tu la vois? Non. Qu'est-ce que tu aimerais avoir cette année? Cette année, j'aimerais avoir un bâton d'hockey. Que tous les enfants qui sont placés dans le centre jeunesse ou dans des foyers, dans des unités, que leur situation s'améliore. Alors que tout semble se stabiliser au Québec, à Montréal, la situation inquiète. On parle de jeunes qui ont commis des délits, des crimes, comme Bill, qui a passé 3 ans en garde fermée. Il aide aujourd'hui d'autres jeunes. Bien, c'est sûr que je dirais qu'il faudrait d'abord que le système ait cru en moi. Je retourne aux études, ça serait d'être éducateur. Ah oui? Pourquoi? Parce que... j'aimerais, à mon tour, d'aider les jeunes. Merci d'être Merci là pour les enfants, être là pour les familles. Bonne merci retraite. Merci beaucoup. Et merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. On aurait pu faire un documentaire d'une heure. Hein? C'est vraiment... Ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs, hein, quand même. C'est quelque chose, hein, la retraite, on sent comment là, aujourd'hui? C'est la dernière entrevue, là, en passant. Là, il y en a eu plusieurs, il est passé sur plusieurs de nos plateaux, Harold. Il y a mes amis en région qui m'ont appelé pour faire des trucs à la radio. Je suis partagé parce que, vous savez, quand on fait le travail de journaliste, je dirais pas qu'on met en vedette, mais on laisse la parole aux autres. Et quand les gens me disaient « Je suis gêné, M. Gagné, j'ai peur de parler à la télé, je veux pas parler de moi », je les comprends parce que moi, j'aime pas ça parler de moi. Puis je l'ai déjà dit en privé, j'étais un gars gêné, j'étais un gars réservé. Ça me dérange pas de parler devant 10 000 personnes, mais quand on parle de moi... Ah là, c'est la torture aujourd'hui, là. Ben c'est pas la torture parce que j'apprécie énormément ce que mes collègues font. C'est un signe d'appréciation. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Puis le public aussi, c'est merveilleux. Tantôt, il y a des politiciens qui m'ont contacté. Il y a eu l'hommage avec le député Pascal Bérubé. Ben je leur dis merci beaucoup parce qu'il faut prendre ce qui passe. Mais en même temps, je dirais pas que c'est gênant, mais c'est beaucoup d'émotions. Un peu, effectivement. Oui. Si on revient en arrière un petit peu, Harold, pourquoi ce choix de couvrir la santé? C'est venu comment? Bien, quand je suis arrivé à Montréal en 1998, j'ai fait beaucoup de rapports de coroner, des erreurs médicales qui ont entraîné, entre autres, je me rappelle, à l'hôpital du Sacré-Cœur, il y avait un jeune qui était mort 7 fois trop de soluté. De fil en aiguille, j'ai commencé à couvrir le milieu médical, puis je m'y suis intéressé des enfants. Sainte-Justine, je faisais beaucoup de DPJ, des bébés secoués. Alors, c'est venu presque naturellement. Et après ça, bien, j'ai eu des contacts avec des médecins, des infirmières, des personnes, des patients, parce que j'ai fait beaucoup de greffes d'organes, fibrose kystique, entre autres. Alors ça m'a ouvert cette voie-là que j'ai beaucoup aimée. 3 décennies, effectivement, des histoires, grève d'organes, DPJ, une pandémie, hein, on est passé à travers ça, l'air de rien, facile. On ne peut pas s'en rappeler. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont particulièrement touché, particulièrement frappé? Bien, je donnais comme exemple quand j'ai rencontré Mme Lépine, la mère de Marc Lépine. Moi, je ne savais pas qu'elle n'avait jamais parlé dans les médias. J'ai même écrit un livre. Quand j'ai rencontré Jean Béliveau, je l'ai vu quelques jours avant sa mort. Ça a été un beau signe de confiance. Il voulait me revoir. Les enfants de la DPJ, ça a toujours été très touchant. Puis je veux rendre hommage à mes collègues aussi qui sont derrière, les caméramans. Je faisais ça. Je me rappelle, un de mes amis, Michel Langlois, caméraman, était avec moi. Puis des fois, je le laissais seul avec les enfants.
Il les mettait en confiance, ça m'aidait beaucoup parce qu'on ne travaille pas seul. Hein. Ouais. Il y a des monteurs, il y a des réalisateurs, des assistants. Alors, je veux leur rendre hommage à mon tour parce que c'est ça qui fait que notre travail, c'est un beau travail d'équipe, est apprécié. Hein. Ouais. En même temps, tu as touché à beaucoup de dossiers très touchants. C'est quelque chose de ne pas craquer aussi en même temps. Oui, mais on se met un peu une carapace. Mm. On fait notre travail. J'imagine que c'est la même chose quand un policier arrive sur un drame, un médecin qui doit annoncer une mauvaise nouvelle. Ouais. Alors, merci infiniment, Sophie. Merci à toi, Harold. Bonne retraite. Merci beaucoup. Bye.